Je m'appelle Gloria. Je suis une petite fille et toujours souriante. Avec moi la journée est top dès le début. Si tout va mal pour toi, si tu n'as plus d'espoir, t'inquiète pas, viens me voir et on va s'éclater. Je rêve. Toujours comme ça. Je rêve ou quoi? Je suis béni, c'est calme. Attendez, c'est moi. Hey! Mère! Maman, où? Un télé! À moi toute seule. Un climatiseur. Un miroir. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi que je ne rêve pas. Non, faut sérieusement. Maman, gifle-moi. Il te gifle comment? Engie, c'est quoi tes gifles? Non, gifle à côté. Mais pourquoi tes gifles, Gloria? C'est quoi? Mec de... Maman, oh, je ne rêve pas. Rêver comment? Rêver comment, ma fille? On est vraiment ici, là. Et maman, tu m'as fait peur, hein. Mais on a déménagé hier, non? Je croyais que le déménagement, c'était mes rêves. Hé, Gloria. Non, on n'y arrivait pas. C'est pour ça qu'il demande que tu me gifles pour voir si tu arrives à l'autre maison, là. Non, mais tu n'y arrivais pas. On a déménagé ici, c'est notre nouvelle maison. C'est ta nouvelle maison. Hé, maman. Hé, hé. Si tu vas à ma chambre, non. C'est comme une princesse. Mais tu es ma princesse. Maman, il y a une télé comme ça, un téléviseur du Jacques, non. Un climatiseur. Il y a un grand miroir comme ça. Puisqu'elle me dit que... Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Après, j'ai aussi demandé que... Miroir, miroir, dis-moi si, on est vraiment... si j'habite vraiment ici. Dis-moi. Et le miroir là t'a répondu. Non, maman, c'est comme le dessin animé, non. C'est le dessin animé. Ouais, Glo-Glo. Ça te plaît, n'est-ce pas? Oui, maman. Moi, je suis très, très contente. La maison, c'est vraiment jolie. Mais, maman, tu sais quoi? La nuit, j'ai dormi comme un bébé. Je n'ai pas entendu les... Et j'ai aussi entendu les... En plus, encore les deux bruits mélangés. Mon bébé, écoute, tu ne vas plus jamais, jamais, jamais entendre ce genre de bruit, d'accord? Ma fille, moi-même, c'est tellement contente. Regarde, fini le feu. Quand le feu ne s'active même pas. Maintenant, non. Il suffit juste d'un geste de main. Et puis le feu. Et dis que mon bébé, qu'est-ce qu'on doit faire? On remercie le Seigneur, non? Parce que c'est grâce à lui, celui qui a offert un nouveau boulot à ton père, hein?
C'est grâce à lui que notre vie a changé, d'accord? Et on dit quoi? Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. On n'a rien à te donner, mais on te dit merci. Merci Seigneur, merci. Et la pauvreté n'est pas bien. Gloria, tu te rappelles quand on habitait encore là-bas, dans les calabodes là, avec tes amis, les petits enfants du quartier là, avec les calissons pourris. Mec de papa, d'où nous d'abord là, nous, chez les voisins, on entend, hé, qui a volé ma nourriture? Et ça passe, ouf, fouetté. Pourtant, ici, c'est calme. Écoutez. Voilà. Même les voisins là, ça n'existe plus. Pourquoi on vient chez moi? On s'en d'abord. Bingo! Et ma mère va me quitter pour le petit trou. C'est fini. Ici, même les voisins sont nantis. Ici, là, la pauvreté. Est-ce que ici, là, tu fais encore. Pouf, pouf, pouf. Hey, papa, tu es frais. Moi-même, je confirme que tu es frais. Si tonton Samuel te croise en route, non. Il part en bourse. Bingo, tu as bien vu. C'est pour ça qu'on appelle ça paye comme jamais. Ah, ma fille, toi, tu commences à comprendre. Tu connais déjà les bonnes choses. Tu vois un peu, c'est vrai que si maman me voit, il va entrer en bourse. Ah, ça, c'est bien ça. Écris-toi aussi. Regarde le genre de balai. Regarde le contraste avec la maison. C'est ton totem. Je te dis qu'abandonnons tout ça. Regarde le contraste avec la maison. Ma chérie, ça, c'est quoi ça? Regarde le design. Oh, regarde, à partir de maintenant, tu dois aller dans un salon esthétique. Tu choisis entre mèche brésilienne, mèche indienne ou mèche chinoise. Oui, mon chéri, donc ça va tomber jusqu'ici là. Quand je fais comme ça là, la soie. Hé, ma beauté, il faut que je bosse dur. Donc je m'en vais travailler. Bye bye, bonne journée. Voilà, à ce soir. D'accord, mon chéri, à ce soir. Ça c'est bien ça, tu es en train de lire. C'est bien, tu sais d'autres enfants, on est obligé de leur demander de prendre le livre pour commencer à lire. Mais toi, tu es intelligent, tu lis bien. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Je suis en train de lire L'enfant à l'école utile. Ah ok, lis un peu. Je suis venu dans ce monde pour être utile, pour être juste, pour être bon. Je ne suis encore qu'un petit enfant. Il est vrai, mais je veux être un homme. On n'est pas seulement un homme par la taille, on est aussi un homme par la raison et par le cœur. École de mon pays, je t'apporte mon âme. De cette jeune âme plus débile encore que le corps qui l'enveloppe, fait une âme humaine. Bravo! Ça, c'est ce qu'on appelle la lecture courante. Ah oui, tu peux être journaliste. Mais dis-moi, où est-ce que tu as? Elle est sortie. Hein? Elle est sortie. Elle est partie où? Je ne sais pas n'importe où elle est partie. Elle t'a pas dit. Elle t'a laissé seule. Mec 2, papa, est-ce que je suis encore le genre d'enfant qu'on peut porter sur le dos pour partir? Non, mais on doit te cajoler. Tu es notre princesse. On ne doit pas te laisser seule comme ça. Il y a des bandits. Hein? On peut venir te voler. Papa, depuis hier, tu étais où? Depuis hier, tu étais où? Maman était inquiète. Moi, j'étais inquiète. J'ai même pleuré. Non, tu sais que j'étais au travail, non? Tu sais que j'avais dit que je dois te garder beaucoup de cadeaux. Hein? Il me faut beaucoup d'argent pour rester dans cette belle maison. Et pour ça, je dois beaucoup travailler. Tu comprends? Oui, au bureau là-bas, on a volé la caisse du trésor. On a fouillé ça toute la nuit. Tu comprends, non? Et vous avez retrouvé la caisse du trésor? Oui, 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 c'est moi-même. C'est moi. J'ai récupéré ça quelque part entre les mains d'un bandit. Mec de... Papa, je ne savais pas que tu étais folle. Oui, j'ai arraché ça et maintenant je vais te garder beaucoup de cadeaux. Ta maman avait le tablier comme. Elle avait le kaba comme les belles mamans africaines, non? Et elle était belle. Donc ta maman, elle est sortie. Elle n'est pas partie au marché. Non, elle n'est pas partie au marché. Quand elle est partie, elle n'est pas le sang.
dormir. C'est comment? Blonde, va continuer la lecture dans la chambre. Oh mon bébé. Merde. J'ai eu peur. Tu sors d'où? J'étais au commissariat, chérie. J'étais inquiète pour toi. Et tu étais au commissariat, faire quoi? Je partais dire que mon mari est perdu. Tu partais dire que ton mari est perdu. Hein? Dis plutôt que tu partais séduire les policiers. Comment? Commandant. Donc attends. Donc, le propos de tel que je m'absente à la maison pour des besoins de service, pour des exigences de service, toi tu pars au commissariat séduire les policiers. Et tu prends pour alibi que tu es parti à annoncer que je suis perdu. Je suis un enfant. Non, non, je suis un enfant. Non. Je n'ai plus mes sens. Tu as déjà entendu un jour qu'on a dit que non, j'ai des problèmes psychiques, psychologiques. Mais ton téléphone ne passait pas. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu un problème de batterie. Tu ne peux pas réfléchir. Tu n'utilises pas ta ciboule. Hein? Tu ne sais pas ce qu'on appelle dans le travail professionnel mission improvisée. Tu ne peux pas réfléchir que ton ami est en train de. Ton mari est en train de vous chercher l'avenir et il exagère dans la recherche de votre avenir pour rester dans ce genre de maison. Je n'ai même pas pu dormir, j'étais appelé toute la nuit, ton téléphone ne passait pas, j'étais. Ça ne veut rien dire! Ça ne veut rien dire! Tu cherches les alibis parce que peut-être tu as pris le numéro d'un commissaire et maintenant tu veux me faire comprendre que non, c'est par rapport à moi que tu es en train de te soucier. J'ai pas pris le numéro d'un commissaire. J'étais là-bas! J'étais là-bas et puis attends, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Notre vie a changé. La vie a changé. Si tu ne veux pas changer ton comportement, tant pis pour toi. Le train est en train de passer. Si tu ne veux pas prendre le train en marche, tant pis pour toi. Ton comportement là, ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver. Et je te jure que si tu continues avec ce genre de comportement, tu vas me perdre. Ne me cherche pas. Je suis perdu. C'est quelle histoire ça? Je n'aime pas ça. Je te dis, je n'aime pas ça. Si tu ne veux pas t'arrimer à la nouvelle donne, moi, je ne vais plus te donner tout ce que tu veux là. Ah non, non, ça va, ça va, ça va. Tu m'as dit que tu me donnais la vie brésilienne, non. Ça m'énerve. Pardon, chérie, ça va, non, pardon. Tu commences à m'énerver. Je te dis, ça ne me plaît pas. C'est pas possible. Je suis en train de transpirer. Je me bats pour vous, mais tu ne reconnais pas ça. Tu passes ton temps à aller séduire les policiers. C'est quelle histoire ça? Tu es seulement mon mari et toi seul. Je ne veux pas avec une autre personne. Je suis pas content, moi, et Teddy. Si tu ne veux pas changer, tant pis pour toi. Je vais changer. Je te dis, je ne suis pas d'accord. Je te dis que je ne suis pas d'accord. Voilà. Et puis, ça va pas continuer comme ça. Hein. Parce que si tu ne veux pas faire comme il faut, moi, et Teddy, tu vas perdre tout ça. Si tu ne veux pas continuer comme il faut, tu vas perdre tout ça. Sois très calme. Sois respectueuse. Arrive-toi, mets-toi au garde-boue. Hey. Maman. C'est quel drôle de yo. Je m'inquiète pour lui. Boum, il s'enflamme. Ah non, non, Charles, fais comme chez toi. Hein. Je t'assure, tu as géré le dossier là comme une véritable pro. Ouais, mais c'est une pro. Ah oui. Non, tu es le genre de collègue que non, quelqu'un aimerait avoir à côté de lui, tu vois. Ah bon? Non, non, mais je t'assure. Tu vois, quand le patron est entré, tu as saisi le truc et puis tu as balancé. Moi, j'ai compris que dans ça, c'est la classe. Merci. Ah, vraiment. Tu sais, à un moment donné, je me rends compte que non. Tu es le genre de collègue qu'on doit en avoir un ton crochu. Tu vois. Et oui, on doit. Tu passes dans le mot collègue, il y a colle. Toi, tu colles à la peau. Rien que ton design, non. Ça pousse à réfléchir. En plus, tu as un potentiel physique de rêve avec un regard de la lumière du crépuscule. Non, mais toi, tu es le genre de femme, tu souris à quelqu'un qui a le titre foncier. Wow. Ah, c'est pas pour rien que j'ai voulu que non, on fasse vraiment. Je dis, hein, il n'y a personne dans cette maison. C'est pas possible. Je suis pas rentré, je suis encore au travail. Nous, on arrive là, la maison est vide comme la vidéo. C'est pas sérieux. Hein? C'est quoi? Tu ne vois pas que j'ai une bouteille à main et qu'il faut les faire? Tu n'as pas le cerveau pour anticiper? Je suis pas sûr que je... Tu n'as pas su quoi? Tu ne me vois pas avec la bouteille à main?
Va nous chercher les verres, c'est quelle histoire ça? C'est pas possible. Oh, tu continues avec la bêtise. C'est pas possible, non, t'occupe pas de ça, hein. C'est comme ça ici. Tout le monde ne peut pas réfléchir comme tu travailles souvent au bureau, ça coule. Oh, c'est pas possible. C'est un ménagère. Ah, mais laisse, je te dis, c'est une longue histoire. Les histoires de famille, tu peux pas comprendre. Tiens, tu as vu la Trinité ici. Trois verres, c'est pourquoi? Ah, c'est pour la dame fauteuil. Non, non, depuis quand tu bois le vin, tu vois que ça ressemble le matango que tu vivais au village. Je voulais seulement. Tu voulais seulement quoi? Ça va, c'est bon, tu peux disposer. Mais c'est pas possible. Allez, libère! C'est qui là-bas? Kinus! Ça va, c'est bon, tu peux disposer. Mais c'est pas possible. Tu bois le vin depuis quand? Mais je... Un vin, tu appelles qui chérie? C'est qui? C'est Kinus! Tu peux disposer. Donne-moi ça. Oh, laisse, ça va pas. Mais c'est pas possible. Et c'est ce que je vis ici, hein. Je comprends pas. Tu es chez toi. Les gens ne se comportent pas bien. Chacun fait n'importe quoi. Dégage, tu peux aller. Tu ménages qui veut boire avec son père. Oh, c'est pas possible. À un moment donné, on se retrouve dans des situations où tu ressors, tu demandes que tu es chez toi ou tu n'es pas chez toi. Elle sort les yeux comme si, comme le rat que le piège a attrapé. Tu t'en suis. C'est terrible. Ah, Gloria. Gloria, ça va? Bonsoir papa. Bonsoir bébé. Papa, maman me voit aussi avec vous. À vous mes chers femmes, n'oubliez pas d'être obéissants et toujours respectez vos parents.